Bonjour à tous et bienvenue sur Télégoël dans votre magazine culturel Si on sortait. Aujourd'hui, je me situe dans un atelier en plein air chez un artiste Abili Montigny. Vous en saurez un petit peu plus dans quelques instants, mais tout de suite, le sommaire. Au sommaire aujourd'hui, l'exposition World War One de Souchez, la rencontre avec l'artiste Hubert Duquesnoy, l'exposition « Je mangerai bien une histoire » à Liévin et pour terminer, l'agenda. Le bleu, le rouge, le bleu... Bon, le temps que je me décide, on regarde le reportage sur l'exposition « World War One » à Souchez. Du vert, ouais, bonne idée. Alors actuellement, nous proposons donc l'exposition World War One du 15, qui a ouvert le 15 septembre et qui donc, est présentée jusqu'au 11 novembre pour le centenaire de la Grande Guerre. Donc cette exposition, c'est une œuvre de Deli Mai, une artiste du Nord, qui l'a créée en 2014. Le travail de Deli Mai est toujours autour de la laine. Donc elle se saisit des actualités et des informations pour traiter l'information à travers des personnages de laine. Et ce qui l'a frappé particulièrement, c'est vraiment l'aspect humain de la Grande Guerre et vraiment tous ces témoignages individuels qu'on pouvait trouver, des témoignages de soldats, de familles. Elle a décidé de se saisir de cette histoire, de raconter toute l'histoire de ces hommes, de raconter la Grande Guerre à travers l'homme, l'humain. Et elle a décidé de créer cette armée en laine. Elle a lancé sur son blog un appel à projet. Donc en seulement 2 jours, il y avait déjà 500 personnes qui ont souhaité participer au projet, donc 500 tricoteurs, et qui provenaient déjà du monde entier, donc beaucoup de France, mais aussi du Canada, d'Australie, d'Angleterre, vraiment de tous les pays, pour créer donc cette armée qui est composée donc de 780 soldats, plus un autre soldat qui est le soldat inconnu. Et la particularité, c'est qu'après le 11 novembre, il ne sera plus possible de voir cette World War One, car tous les soldats sont vendus au profit de l'association Médecins Sans Frontières. La plateforme de vente va être bientôt mise en place sur nos réseaux sociaux et notre site internet. Et chaque soldat est vendu au prix unitaire de 30 euros. Et vous n'avez pas la possibilité de choisir la nationalité de votre soldat. Justement dans cette volonté d'unir tous les pays. Le musée a un public assez international, on a surtout un public local, mais chaque jour on a des Anglais, on a des Allemands, on a même eu des Australiens ou des Canadiens qui nous ont déjà réservé donc leurs soldats de laine et effectivement qui pourront le recevoir à partir de la mise en vente. Voilà. Allons à la rencontre d'Hubert Duquesnoy, artiste bilisien, en plein cœur aujourd'hui de son atelier, en plein air. Bonjour Hubert. Bonjour Nathalie, bonjour. Comment allez-vous? Eh bien écoutez, comme le temps. Oui, un peu gris. Un peu gris, mais quand même on a de belles journées et donc on peut travailler allègrement dehors. Bon, alors on est dans votre atelier ici, devant chez vous. Vous pouvez nous expliquer un petit peu votre univers artistique. Bon, alors d'abord, j'aime bien travailler en plein air, dehors, ce qui n'est pas très courant, il faut bien le dire. Le travail qui se fait aujourd'hui, c'est à l'occasion des journées portes ouvertes d'ateliers d'artistes organisées par la région. Le conseil départemental. Le conseil départemental, voilà. Donc, je suis en train de préparer ce qui va s'appeler une performance qui aura lieu sur la Nationale 43, dehors, au vu de tout un chacun qui pourra passer et voir quelqu'un en train de peindre sur la petite placette qui est devant. Alors l'idée du projet, ça s'appelle faire taire tout. Faire taire tous, c'est-à-dire c'est tout le monde peut travailler et en même temps il y a peut-être un jeu de mots, faire taire,
être dans le silence, poser le silence sur les choses qui nous environnent. Et je crois que c'est un petit peu un clin d'œil par rapport à tout cet environnement où on aurait des choses à dire et puis on est quand même maintenu dans un certain silence. Alors on peint, on crée, comme voilà, vous le faites maintenant. En fonction de son ressenti, de ses émotions, mais aussi de son ressenti par rapport à ces événements qui nous entourent, des grandes questions. Donc le travail de l'artiste, c'est comment le dire, comment le faire, c'est-à-dire comment pouvoir exprimer des choses qui sont parfois très difficiles à dire, puisqu'on travaille sur des questionnements, c'est des questions qu'on peut se poser, que tout le monde se pose, sur l'actualité par exemple, etc. Donc on a un travail de peinture qui fait appel à une technique, là il y a une technique bien particulière, mais il y a aussi un sujet, c'est-à-dire un sujet, qu'est-ce qui se donne à voir. Alors j'ai choisi de donner à voir des choses qui sont finalement décoratives, qui paraissent anodines, sur lesquelles on a des choses, des motifs décoratifs, qui sont d'ailleurs ici inspirés d'une feuille de platane, puisqu'on a encore des feuillages de platane, et qui vont me servir de fond pour pouvoir mettre, dessiner et peindre des objets. Alors c'était des objets qui sont, qui me sont propres, des objets qui ont un sens particulier pour moi. Et qui sont allusifs aussi par rapport à cet environnement dans lequel nous vivons. Vous alors, utilisez comme quoi, comme technique? Alors, la technique, la peinture, si vous voulez, c'est une histoire de support, le châssis. C'est une histoire de toile. Cette toile, elle est encollée. Après l'encollage, on a donc un apprêtage. Et ensuite, on a la peinture qui vient prendre place sur cet apprêtage. Alors, pour bien ces étapes, elles ont à voir avec la technique, mais pas seulement. C'est-à-dire qu'elles vont véhiculer le sens. Donc, si on met en distance la toile par rapport à la couche pigmentaire, tout ça, j'essaie de me l'approprier en faisant une peinture complètement à l'envers. C'est-à-dire que je commence par dessiner la dernière couche. Alors je vois qu'il y a beaucoup de techniques dans ce que vous faites. Votre activité principale Oui, je suis professeur d'art plastique. Ah oui. Voilà. Donc j'enseigne. On voit la maîtrise quand même, hein. Oui, alors j'ai. Et puis l'expliquer, c'est pas si simple de l'expliquer, surtout. Le replacer dans l'histoire de l'art aussi, les performances, c'est des choses qui sont maintenant établies. Installation, performance. Bon, c'est vrai que souvent, on reste à l'idée du tableau, du cadre. Mais l'artiste s'empare, s'approprie la danse, le mouvement, le spectacle. Et tout ça, ça fait partie des outils, en fait, des médiums, des moyens que l'on peut utiliser dans la création. Alors justement, pour revenir à ces portes ouvertes d'artistes, d'ateliers d'artistes qui auront lieu le 5, 6 et 7 octobre, voilà. Le public peut venir vous rencontrer à n'importe quel moment durant le week-end. Alors moi, je serai dehors, on pourra me voir dehors, le vendredi, toute la journée, et le dimanche. D'accord. Et le samedi, je ne serai pas là parce que je suis avec des jeunes qui préparent des écoles d'art et qui eux-mêmes pratiquent aussi les choses. Donc ils sont dans cet atelier, là peut-être le terre tous. Merci Hubert, en tout cas, pour votre invitation. Bah, écoutez, je vous en prie. On vous invite, nous aussi, à aller pousser les portes des ateliers d'artistes à Billy-Montigny ou dans vos territoires, parce que c'est dans tout le Pas-de-Calais. Et puis, nous, on part. Bah, écoutez, moi, je vais vous montrer peut-être une œuvre finie. Allez, on y va. Allez, on y va. Il n'y a rien à manger ici, hein? Et pourtant, je mangerais bien une histoire. Justement, c'est le thème d'une exposition jeu visible à Liévin. Je mangerais bien une histoire. On propose une exposition autour de livres jeunesse. Des mises en scène ont été réalisées autour de quelques albums. Et les enfants de 2 à 7 ans peuvent venir s'amuser.
Alors, elle s'appelle « Je mangerai bien une histoire » et elle a été réalisée par l'association Mots et Couleurs. Donc, on reçoit des maternelles, hein, de la plus petite section jusqu'aux grandes sections. Et ensuite, on reçoit aussi des CP, des CE1, donc ça va jusqu'au CE2. Voilà, donc les enfants s'approprient différemment les petits modules hein, d'animation en fonction de leur âge. Au départ, on leur lit l'histoire et ensuite, ils peuvent s'amuser avec les différents éléments qui touchent à l'album qui a été raconté. Allez, maintenant, vous faites ? Les enfants adorent hein, ce type d'animation où ils sont vraiment acteurs de l'exposition. Bien sûr, il leur faut être patient puisqu'ils doivent au départ écouter l'histoire, mais ensuite ils s'approprient très facilement les petits objets et puis ils recréent l'histoire à leur manière avec les petits éléments qui sont à leur disposition. Alors c'est une exposition qui nous intéresse puisque elle met en valeur les albums pour enfants. Donc, étant donné que nous sommes une bibliothèque, promouvoir la littérature enfantine, c'est toujours un plus. Alors, cette exposition, elle est visible au pôle Gambetta jusqu'au 6 octobre. Et ensuite, elle sera transférée sur l'autre site, au pôle des Rousseaux, du 8 au 19 octobre. Le garçon les arrache à toutes. Je ne veux pas le déranger, il est en pleine création. Juste pour vous dire qu'il y a eu l'ouverture de saison culturelle à Arnes, tout de suite les images. Ma chère Tali, c'est le lancement de la saison culturelle. Culturelle ? Ah, j'adore ça, moi les gros bras j'adore. Il y en a dans la salle ? Des gros bras bien musclés. Pas besoin, non, d'être musclé pour assister le week-end dernier au lancement de la saison culturelle du Prévert à Arnes. Musique, magie, spectacle, exposition, comédie et beaucoup d'humour pour cette nouvelle saison 2018-2019 présentée par Saba Yousfi, l'adjointe à la culture de la ville de Arnes. La fiancée du poilu, Génération Danse, Alexis Hazard, la compagnie Tassion, l'école de musique, l'embellie musculaire et les Gospel United pour quelques-unes des dates sur la ville de Arnes. C'est l'artiste déjanté Giovanni qui a clôturé la soirée avec une ovation du public et des rires à gogo. On vous laisse en profiter, vous allez comprendre. De l'humour avec Anaïs Petit au Colisée de Lens le vendredi 5 octobre à 20h. Un apéro-concert avec 5 marionnettes sur ton théâtre pour l'ouverture de la 4e saison de la Ferme du Puy de Mazingarbe. C'est ce vendredi 5 octobre à 20h. Lis-moi les plus belles lettres d'amour à la scène du Louvre-Lens, c'est les 6 et 7 octobre de 14h à 17h. Et pour terminer, une lecture musicale Chemin des Dames, Chemin des Larmes au Mémorial 14-18 de Notre-Dame de Lorette ce dimanche 7 octobre à 17h30. Voilà, Hubert a bien avancé sur son œuvre. Si vous voulez les voir finis, bah rendez-vous ce week-end aux portes ouvertes d'ateliers d'artistes. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine dans une nouvelle édition de Si on sortait. Allez, au revoir.